commencé à travailler sur un projet et je veux y ajouter une batterie. Je maintiens le bouton de piste appuyé pour créer une nouvelle piste, et dans ce cas, je vais sélectionner Drum. Vous pouvez également ajouter une piste en appuyant sur l'écran tactile, qui vous donne les mêmes options. Je vais maintenant chercher un kit de batterie. Il y a plein d'options. Je vais sélectionner ce kit et le charger. Maintenant, si je retourne en mode matrice, je vais double-cliquer pour créer un nouveau clip et appuyer de nouveau pour le mettre en mode boucle. Je vais passer en mode note et vous remarquerez que ma batterie est assignée sur les pads ici. Avec la fonction Rec Arm enclenchée, je vais sélectionner ma piste en bas, appuyer sur le bouton Record pour passer en mode overdub. Ce que je vais faire maintenant, c'est utiliser l'arpégiateur interne en mode Note Repeat. Donc j'appuie sur Shift et je sélectionne la division temporelle. Je maintiens le pad enfoncé pour ainsi ajouter quelques Charleston, en utilisant la répétition de la note. A partir de là, vous pouvez continuer à ajouter d'autres pistes, d'autres boucles de batterie et à continuer à enrichir votre projet.